Avecino! Staccatissimo! E maintenant fait clac! Clac! Merci! Bonsoir! Excusez-moi, je vais... Mais depuis une semaine à la même heure, il y a un bruit strident, je ne sais pas ce que c'est, mais parce que j'habite dans la région et on entend. Alors, je voudrais juste savoir si vous pouviez faire un tout petit peu plus doucement parce que j'ai la maison qui est juste de l'autre côté là. Mais en fait, non, mais je suis pas tout le temps à la maison, je suis souvent à la maison, mais c'est quoi vous, c'est une secte. C'est les Coralies. C'est les Coralies. 4000 chanteurs. 4000. Zeg dat wel, maar het is zeker geen secte. Noem het zoals je wil, een samenscholing van 4.000 à 5.000 zangers-muzikanten, een ontmoeting met gelijkgestemde muziekliefhebbers of het festival van de samenzang. Het vindt maar plaats om de 3 jaar, telkens in Vaison-la-Romaine, midden in de Provence, aan de voet van de Mont Ventoux, en het is al de 21ste keer. Elke dag wordt muzikaal afgesloten met een concert in het Romeins theater, maar het moment waar elke deelnemer telkens weer naar uitkijkt, is de chant commun, of de samenzang, onder leiding van de Zwitser Michael Kohl. Gedurende 9 dagen kunnen duizenden koorzangers en zangeressen uit de ganse wereld deelnemen aan een 40-tal ateliers en gaan luisteren naar een 100-tal concerten in Vaison-la-Romaine zelf of in een van de omliggende dorpjes. De Belg en Luikenaar Jean-Claude Wilkes is al 5 jaar artistiek directeur van dit festival. Nous sommes dans une petite ville, alors c'est une longue histoire d'amour entre Vaison-la-Romaine et notre association, puisque ça fait la 21e fois qu'on vient. Mais c'est une petite ville avec très peu d'infrastructures, et accueillir 5000 personnes dans une ville de 9000 habitants, c'est évidemment toujours un grand défi. On doit monter des chapiteaux partout, des campings, de la restauration sur les places publiques. Enfin, c'est un gros défi logistique. Depuis le début. Ici au Coralie, on peut venir individuellement, donc on peut s'inscrire tout seul. J'ai envie de chanter, je viens au Coralie, je m'inscris. Donc il y a 2 types de participants, il y a ceux qui s'inscrivent seuls et il y a ceux qui viennent en chœur constitué. On en a plus ou moins 80 qui sont comme ça. Et les chœurs constitués, ça leur permet de se produire aussi en concert pendant le festival, l'après-midi, dans des petits lieux. Et le choriste qui est individuel, il s'inscrit dans les ateliers, il chante le matin et il vit sa vie de festivalier.
La particularité chez nous, c'est que le festival est participatif. C'est-à-dire que ceux qui s'inscrivent, à la fois ils chantent, ils apprennent, donc c'est un côté pédagogique, et puis l'après-midi, ils deviennent spectateurs des autres. Donc c'est la limite entre la diffusion et la participation. De organisatie van het festival berust voor het grootste gedeelte op vrijwilligerswerk. Buiten het podium, klank en licht wordt bijna al het overige werk gedaan door een 500-tal vrijwilligers die naast het zingen ook nog meewerken achter de schermen. Op die manier blijft deelname betaalbaar voor iedereen. La sauce sur la droite et après vous allez manger. Ah, la sauce, j'ai oublié. 9 dagen zingen van 's morgens tot 's avonds, dat lijkt behoorlijk vermoeiend. Toch is het voor sommigen niet de eerste keer. Je viens depuis 71. Voilà, je crois que j'ai fait une dizaine de chorales. Combien? 21 chorales. Depuis 1953. Oui, moi. Tous les prescrits. Toute la chorale. Oui. Vous êtes un des seuls, je pense, qui le font. On est 5 encore, je crois. Je viens surtout retrouver une chaleur humaine, avec des gens très sympathiques. Oui, si on vient, c'est qu'on a envie de venir, vraiment. Deelnemers komen niet alleen uit Frankrijk, ook het Vlaams jeugdkoor Waalrand uit Borgerhout heeft de weg naar Vaison-la-Romaine gevonden. En nu doorgaan! Sweet! Ja, dat is echt goed. Coming for to carry me, spanning, ja, de... De filosofie binnen onze koorwerking is dat alle kinderen en jongeren altijd welkom zijn. Of ze kunnen zingen of niet, want daar kunnen we het aan leren. Als een bepaalde leeftijd overschreden is, wordt het nog heel moeilijk om het te leren. Ik denk als je het als kind niet geleerd hebt, is het een beetje zoals leren fietsen, denk ik. Attends, il faut que je me repère dans la partition. Oui, A, E. Fatalement, hein. Je suis à 106, pardon. Encore. Allez, vachement trop bas le sol, hein. Encore. Ah, je pense que tout le monde devrait essayer de chanter, oui. Oui. C'est un loisir qui ne demande pas de connaissances particulières à la base. On peut apprendre, comme vous écoutez la radio, il y a quelque chose qui vous plaît, vous l'écoutez une deuxième fois, une troisième fois, et puis vous retenez l'air, et puis vous pouvez le chanter dans votre salle de bain. Eh bien, on peut faire la même chose en chœur. On essaye de trouver un répertoire qui plaît, on apprend à l'audition, on répète plusieurs fois jusqu'au moment où on apprend par cœur. Ici, dans les 86 choristes qui sont dans mon atelier, il y en a probablement 65 qui ne savent pas lire la musique et qui enregistrent leur
leur mélodie dans leur tête et puis qui peuvent la restituer et qui font quelque chose tous ensemble avec bonheur, ça c'est vraiment le bonheur. Een jongerenkoor uit de banlieues van Lyon maakt zich klaar om een extra concert te geven voor de moeder en zus van een van de zangers. Ma mère est venue spécialement de Guyane pour faire passer les vacances avec moi et faire les chorales avec moi, donc voir mes concerts. Elle est arrivée, il y a eu un quiproquo entre la sécurité et elle qui n'avait pas compris qu'elle faisait partie de la famille, donc qu'elle était prioritaire et ils n'ont pas pu la laisser entrer. Et c'est pour ça que donc aujourd'hui on est en train de refaire un concert spécialement pour ma mère et ma petite sœur. Remerciement de tout le travail qu'on a fait, c'est de voir arriver ces choristes, ces gens avec des sourires, heureux de chanter, et de voir qu'ils sont contents de participer à ce festival, c'est notre récompense. Donc c'est pas un souvenir particulier, mais c'est une ambiance magique, et on va sûrement être tous très émus lorsque ce sera fini. C'est une super expérience, moi je suis musicien, donc pas vraiment chanteur, et donc il y a 3 ans je suis venu pour jouer dans un atelier. Et cette année-ci, j'ai la chance de revenir avec une chorale et je pense que le meilleur, c'est la rencontre de tous les pays qui sont ensemble au théâtre antique le soir et qui chantent à 5000 personnes ensemble la même chose.